Je viens de finir mon rendez-vous dans les bureaux de la DGCRF. Je vais vous faire un genre de petit résumé. Voilà, donc pour eux, le fait de ne pas avoir mis le hashtag et de ne pas avoir informé les consommateurs que c'était soit un échange de bons procédés, soit une collaboration rémunérée, pour eux c'est un délit. Donc voilà, j'ai eu une injonction. Donc je vais devoir mettre la photo de la DGCRF sur mon compte Instagram pendant 30 jours, pendant un mois. Je vais avoir comme une tache noire comme ça sur mon feed, alors que je l'aime trop mon feed, il est trop beau. Ça va me saouler. Bon, c'est pas grave, ça passe vite, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, il y en a, ils ont eu des procès, il y en a, ils ont dû payer des amendes, il y en a, voilà, je vous raconte pas. Mais voilà, moi ça va, je suis. Ça va, c'est pas un truc de fou. En plus, elle me l'a dit, elle m'a dit, ça va, sur toute une année, t'as dû oublier de le mettre sur 9 postes. Hein, c'est rien. Mais pour eux, c'est des pratiques commerciales trompeuses de ne pas mettre le hashtag gifting ou hashtag collaboration rémunérée ou alors hashtag, je sais pas moi, publicité. Tout simplement parce qu'on n'informe pas le consommateur du genre de la publicité. Donc, c'est comme un délit. Genre. Enfin, bref. Voilà, donc moi je ne conteste absolument aucune décision. Oui, voilà. Maintenant, bah, je tâcherai de faire attention, tout simplement. Je tâcherai aussi de l'écrire et en caractère normal. Comme ça, au moins, vous n'avez pas à zoomer ou même à croire que c'est pas écrit alors que c'est écrit, c'est juste écrit en petit. Je viens de finir mon...